Bonjour chers amis, dans le cadre bien sûr de nos interviews Made in Paillade, j'ai le plaisir, l'immense honneur d'être ce matin en compagnie d'un joueur que vous allez tous reconnaître bien sûr et qui a marqué de son empreinte pendant près de 18 ans qu'il a vécu au cœur du MHSC sa carrière. Et oui, Jamel Saï est avec nous. Bonjour Jamel. Bonjour. Jamel Saï, alors vous... Franchement, vous êtes vraiment l'enfant du pays. Vous êtes né d'ailleurs dans le quartier des Arceaux de mémoire. C'est ça. Je suis né à la clinique Clémentville en 87. Après, je suis parti des Arceaux à l'âge de 7-8 ans pour aller du côté de Montpellier Village. J'ai eu ma première licence au Mas-Prunet à l'âge de 8 ans. Vous n'avez pas joué à la Vérune aussi ? Si. À 8 ans, je suis parti au Mas-Prunet. J'ai joué un an ou deux là-bas. Et après, la Vérune. Je suis parti 2 ans à la Vérune. Avant d'intégrer le MHSC. Rien ne laisse supposer, vous êtes très jeune là, mais rien ne laisse supposer ce qu'il va se passer à l'orée de vos 12 ans, parce que c'est à 12 ans que vous arrivez ici. 12 ans, c'était je crois en 99, en moins de 13 ans première année. Je fais le grand saut, je passe de la Vérune à Montpellier Hérault, donc voilà, club phare de la région, avec tous les meilleurs joueurs. Puis c'était pas facile au début, mais on s'est accroché, on a écouté. J'ai eu la chance d'avoir de bons éducateurs de l'âge de 12 ans jusqu'à intégrer l'équipe professionnelle. Voilà, parce que vous êtes en 1990, nous sommes en 1999. Jamel, vous arrivez au MHSC. Alors vous n'avez pas le regard. Est-ce que vous vous dites, waouh, j'arrive là dans le grand club ou... Non, pour moi, c'était une continuité. Moi, le but de jouer au football, c'était pour m'amuser. Donc, je m'amusais. Et après, il y avait un peu plus d'exigence, on va dire, qu'à la Vérune. Mais pour moi, c'était un jeu, le football. Alors, vous voilà au cœur du MHSC, dans le centre d'entraînement. Alors, vous, comme vous êtes de Montpellier, naturellement, vous rentrez tout le soir chez vous. Quoi. C'est peut-être plus facile à vivre pour un gamin de votre âge. Après, à l'âge de 12 ans, c'est tous les gamins rentrés chez eux, généralement. C'est vraiment à partir de 14 ans qu'on intègre le centre de formation avec des entraînements quotidiens. Et il y en a certains qui peuvent dormir au centre de formation et rester sur place. Mais moi, j'ai ma famille, j'habite Montpellier, donc je rentrais tous les soirs à la maison. Donc vous allez pendant 8 ans vous former, je crois que c'est 7-8 ans, puisque vous allez découvrir l'univers des pros en 2007. C'est votre premier match, je crois que c'était à Tours. Vous avez 20 ans. Exactement, je m'en souviens, j'avais pas encore signé pro et le club était en difficulté en Ligue 2 à cette époque-là et on m'a lancé dans le grand bain à ce moment-là. C'était pas une période facile pour intégrer des jeunes, mais j'ai essayé de donner le maximum et quelques semaines plus tard, je signe mon premier contrat professionnel. Le club se maintient en Ligue 2 à ce moment-là, puis après on connaît la suite. Alors avant de devenir pro, est-ce que vous avez senti au fur et à mesure que vous franchissiez des étapes, des paliers, que bon, il y avait peut-être l'ouverture pour faire une carrière ? Est-ce que vous avez de toute façon été bien encadré ? Vous faites référence souvent à vos éducateurs qui ont été très importants pour vous ? Oui, c'est une base et d'avoir de bons éducateurs performants, ça aide à nous former et à être le meilleur possible toutes les semaines. Après voilà, quand je vois, j'ai eu des Zakarian, je l'ai connu au centre de formation, Thierry Lauré, il y a eu qui, Gislain Printemps, voilà, ce sont des coachs qui ont aussi entraîné en professionnel, donc ça veut tout dire aussi, donc c'est important que ces personnes-là nous aient formés. Ces personnes-là qui ont cru en vous, parce que peut-être vous ne saviez pas trop. C'est vrai que pour moi, c'était un plaisir de jouer au football. Après, petit à petit, à partir de 14, 15, 16 ans, quand régulièrement on est surclassé, on joue avec l'équipe au-dessus, ça veut dire qu'on se démarque un petit peu. Et puis c'est là qu'on progresse beaucoup plus rapidement. Voilà, avant de signer mon premier contrat professionnel, j'avais fait peut-être 2 saisons et demie en CFA, en équipe réserve, avec plus d'une soixantaine de matchs. Aujourd'hui, on va dire, les jeunes intègrent plus rapidement le circuit professionnel. Et oui, parce que de tous ceux qui sont passés par la formation montpelliéraine, vous n'êtes pas parmi ceux qui ont intégré le monde pro très jeune. Vous avez 20 ans, en fait, quand on vous lance dans le grand bain.
Est-ce que vous avez des souvenirs marquants de votre période de formation ici? Souvenirs marquants, non, j'ai côtoyé vraiment beaucoup de bonnes personnes. Après, c'est le top de pouvoir faire sa formation dans sa ville. Voilà, entouré de ses proches, ses amis, c'est beaucoup plus facile, on va dire. Après, voilà, il y a eu quoi comme souvenir marquant? La demi-finale de Gambardella. On aurait aimé aller un peu plus loin. Bon, après, les plus jeunes l'ont fait quelques années plus tard. Après, non, pas de fait particulier. Si, un fait particulier, c'est que moi, à la base, quand je suis arrivé au club, j'étais en position d'attaquant. Donc, je jouais attaquant. Après, un an, deux ans après, j'ai reculé un petit peu et je me suis positionné en position de milieu défensif. Et depuis, j'ai fait ma formation à ce poste-là. Quand on intègre le centre de formation du MHSC, naturellement, c'est un magnifique tremplin. Vous venez de souligner que vous avez été très bien encadré, très bien coaché. Par contre, il y a quelque chose qu'on a en soi ou qu'on développe peut-être. Est-ce que vous aviez, vous, cet esprit paillade? Ou alors, est-ce qu'on vous l'a inculqué? Non, moi, je l'avais naturellement parce que bien avant d'intégrer le club, j'allais tous les week-ends au stade de la Moisson. J'avais l'écharpe du MHSC. Donc, j'étais un supporter quand même du club bien avant que j'intègre le MHSC. Et avant qu'on vous réguillonne, si je puis dire, parce que vous nous confiez que vous étiez attaquant à la base, et on vous a déplacé dans un rôle qui n'est pas tout à fait comparable, hein. Le porteur d'eau, le numéro 23 de mémoire. C'est ça, numéro 23. C'était un numéro disponible à ce moment-là quand on me demande de choisir le numéro, et depuis je l'ai gardé durant toute ma carrière. Après, milieu défensif, c'est vrai, c'est entre guillemets un travail dans l'ombre, mais un travail essentiel, important pour faire la transition entre la défense et l'attaque. Après, tous les postes sont très importants aujourd'hui. Alors, l'encadrement d'un club professionnel pour aspirer à épouser une carrière de joueur professionnel, là, on serait tenté de dire, bon, c'est le ballon et rien que le ballon. Est-ce que vous avez le sentiment que les années que vous avez passées au centre ont fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui aussi? Est-ce que ça dépasse le cadre de l'éducation d'un footballeur? Ah oui, c'est sûr, il y a eu un suivi très important, même au niveau scolaire. Je sais que tout le monde faisait attention aussi à ce qu'on soit bon à l'école, qu'on soit à l'écoute, qu'on soit sérieux, qu'on soit poli. Voilà, le respect, c'était très important, dire bonjour, au revoir. Ça, c'était des valeurs. Ça passait, on va dire, au-dessus de la qualité du footballeur. Vous avez vécu la montée en 2009. Vous avez joué la finale de la Coupe de la Ligue en 2011 de mémoire. Et vous êtes champion de France, c'est Jamel. Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis arrivé dans une période 2007-2016. Vous avez tout connu, quoi. On a connu... Il y a eu de belles époques aussi dans les années 90, au début des années 90, au club, avec de grands joueurs et de grands noms. Mais c'est vrai, le seul petit regret que j'ai, c'est... Après, voilà, je sais pas pour faire la fine bouche, mais de ne pas avoir pu gagner des titres supplémentaires. Il y avait la place et la possibilité. Voilà, quand on fait un trophée des champions, une finale de Coupe de la Ligue, on se dit, avec le MHSC, gagner des trophées supplémentaires, c'est pas rien. Parce qu'on n'est pas le PSG, on n'est pas Lyon ou Marseille, où il y a beaucoup plus de facilité à gagner des titres chaque année. Je l'imagine que dans votre mémoire, fut-elle sélective, c'est quand même l'un des moments, sinon le moment inoubliable, le titre de champion. Ah oui, c'est vrai que ça restera gravé à jamais. Encore aujourd'hui, je me fais interpeller, les gens s'en rappellent et ils s'en souviendront même dans 10, 15, 20 ans, voire plus que ça. Parce que voilà, ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Être champion devant le PSG, alors que personne ne nous attendait à ce moment-là, c'est même nous. Après, quand on est compétiteur, on veut tout gagner, mais on ne le réalise pas. On se dit oui, on veut tout gagner, mais après, il faut garder les pieds sur terre. Et là, vraiment, c'est comme si on volait sur le terrain. À quoi avez-vous pensé, Jamel? Peut-être à ce jour où vous étiez dans la tribune avec votre écharpe, supporter de la Paillade, le jour où vous entendez l'hymne de la Ligue des Champions à la Mosson, dites-moi sincèrement. C'est vrai que on a l'habitude d'y jouer sur la PlayStation ou la regarder à la télé. Ne serait-ce que quelques semaines auparavant, la regarder à la télé avec des pizzas.
Et là, le fait d'y jouer, de la participer, qu'il a cette chanson-là au stade, c'est vraiment ça, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais. Il n'y avait pas que le talent dans les jambes de Jamel Saïd. Vous faites évidemment un lien indéfectible entre la formation que vous avez reçue et la carrière qui vous a été proposée derrière. Les deux sont liés. Oui, tout est lié et dans n'importe quel sport de haut niveau, il faut un minimum de talent. Ok, il est vrai, mais c'est beaucoup de travail. Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo et d'autres excellents joueurs travaillent beaucoup. On ne le voit pas de l'extérieur, mais c'est un travail au quotidien. Et sans ce travail-là, on peut pas arriver très haut un jour. Est-ce que vous auriez souhaité, c'est pas la question de la mort qui tue, mais est-ce que vous auriez souhaité que votre carrière dure un peu plus que ce n'a été le cas en fait? Non, j'ai pas de regret là-dessus. Si elle a duré ce temps-là, c'est qu'elle devait durer ce temps-là. Après, oui, c'est sûr qu'il y a des blessures, ça fait partie du métier de footballeur et ça peut freiner des progressions. Je pense que voilà, on aspire à jouer au plus haut niveau et à faire des matchs de Champions League chaque année. Mais c'est comme ça, j'ai pas de regret là-dessus. C'est déjà beau d'avoir été champion, d'être monté avec son club, alors que quand j'ai intégré l'équipe professionnelle, nous étions en Ligue 2. Donc voir tout ce chemin parcouru et la carrière, même si elle a été assez courte. Bon, 10 ans, c'est pas non plus 2 ans, mais elle a été assez courte. J'ai pas de regret là-dessus, voilà. La vie passe, non, ça va. En tout cas, des générations se souviendront de vous, Jamel. On pourrait parler des heures ensemble, mais particulièrement les gamins des Arceaux, parce que certains ont peut-être oublié, d'autres apprendront que vous avez un mini-city à votre nom, je crois, au quartier des Arceaux. C'est ça, il y a un petit city stade multisport comme on peut en trouver dans plusieurs quartiers de Montpellier. C'était une opération on en avait parlé avec le directeur de l'école primaire où j'étais de maternelle jusqu'à CM2. Ils avaient à cœur d'ouvrir un complexe parce qu'ils trouvaient qu'aux Arceaux, il n'y avait pas assez d'aménagement pour les jeunes du quartier. Donc moi j'ai poussé dans ce sens-là pour que ça se fasse un jour, ça a mis du temps. Il y a 2-3 ans, voilà, il y a un petit city stade qui a été inauguré pas loin du parking des Arceaux, sous les arches du Pérou. Voilà. Voilà, pour que personne n'oublie jamais, Jamel Saïd, vous avez joué pratiquement plus de 200 matchs. Plus de 200. Voilà, plus de 200 matchs Et vous joués. avez marqué un but. Un seul but, une volée du gauche. Après, voilà, j'étais plus un profil Makelele, Verratti, et ces joueurs qui ont. J'avais pas le but en tête. Le but, c'était que l'équipe se fasse plaisir et qu'elle gagne les matchs et voilà, faire un travail collectif important. Après, c'est vrai, j'aurais même marqué plus de buts. Je n'en ai pas eu l'occasion, donc c'est comme ça. C'était à Lorient, hein, ce but. Exactement, c'était à La Mosson, je venais à peine de rentrer en jeu, je me pose pas de questions, le ballon vient bien, je tape et but. Merci infiniment, Jamel, pour ces instants, ces rappels aux souvenirs de la belle carrière qui aura été la vôtre et de la magnifique contribution que vous aurez apportée au MHSC. Champion de France 2012, finaliste de la Coupe de la Ligue 2011, à la montée le 2009. Bref, une belle série. Merci, Jamel. Merci.